Tu sais, ça fait plaisir de voir que Sarah a retrouvé le sourire. T'as déjà connu une nuit comme ça? Bien sûr. À l'époque, quand le boss travaillait encore pour Pepon, on a dû s'occuper d'un type. Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot? Je veux que tu aides Sam et Polly avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneau? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Polly qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse, cher Alfie, et retrouve Polly dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues, au cas où ça chaufferait. Ok, Franck, je m'en charge. Bien. Prends soin de la cargaison canadienne. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Merci, Ralph. WAM Lost Heaven Radio now brings you a special weather report. Rainfall on the city. If you've been out in the last couple of hours, you don't... We'll be right back.
Débrouille-toi, Tom! Hé! Hé! Fais gaffe, merde! Je venais de sécher. Désolé. T'es déjà allé là-bas? Ah ouais. On a déjà fait quelques livraisons à la ferme. T'inquiète, il n'y a rien ici à part de la bouse de vache et de l'agneau. Ça sera vite réglé, cette histoire. Les gars chargent les camions et on rentre direct à la maison. Ouais, on perd pas de temps. J'ai un truc à faire après. Ah, t'as vu Sarah récemment? C'est la petite de Luigi, ton plan nocturne. T'es un sacré numéro, toi. Tu protèges la virginité de la fille le lundi et tu lui la voles le mardi. Ferme-la, Polly. Oh, c'est bon. Je plaisantais. Elle est bien, la petite. Si tu te poses, elle sera parfaite pour toi. Moi, il n'y a personne qui m'attend. Et en plus, elle doit avoir des tonnes d'anecdotes sur son vieux. Luigi, c'était un sacré bonhomme à la grande époque. Ça, j'en sais rien. Tu savais qu'elle donnait un coup de main au bar depuis toute petite? Elle a dû entendre et voir de ces trucs. Elle doit en savoir plus sur le business que nous tous. Elle sait en tout cas qu'il faut pas me poser trop de questions. C'est bien. Elle arrivera même pas à faire de toi un menteur. Merde. Rien que pour ça, faut que tu l'épouses. Oh, c'est pas vrai. Sam devait nous attendre ici, mais je le vois pas. Y a un truc qui cloche, là. Te bourre pas le mou comme ça, ça va aller. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie. Bon, allez, rentrer l'agneau. Ça va le réveiller. Il sort toujours pas. Ok. On va le chercher. Si ce salopard est pété comme un coin et que je bousille un costume neuf pour rien, je te jure que je le descends. Tiens. Dans le cas où Franck ait raison. Je vais chercher les gars, et je les mets au parfum. Toi, tu pars devant pour voir ce qui se passe. On te retrouve là-bas. Quelqu'un était là, y a pas longtemps. Qu'on paie pour garder cet endroit se fout même pas à lui donner une apparence de ferme. L'endroit est désert. Putain de merde, Sam! Est-ce que tu te planques? Hé, mon pote! Merde. Allez, lâche ton arme. Toi d'abord. On n'a pas le temps de jouer à ça. Désolé, mon pote. Ça risque de piquer un peu. Je prends le risque. Amenez-vous par ici! Il est foutu, je l'ai coincé!
Ce pauvre bougre a dû souffrir longtemps. Polly, tu faisais quoi, merde? Je cherchais Sammy. Tu l'as trouvé? Non, pas encore. Avec lui. C'est un Canadien. Et évidemment, tout le reste de l'équipe a été refroidi aussi. Des flics, Tommy. J'en savais rien. Ils ont pas sorti d'ainsi. Putain, ils ont rien dit. Morello a dû se les mettre à la bonne. Le salopard. Il peut même pas nous laisser un seul trafic. Laisse tomber, Tom. On doit retrouver Sam et se tirer d'ici. Ça rigole pas. Je crois que c'est des flics des frontières. C'est clair qu'ils sont pas tendres. À côté, les poulets de Lost Haven ont l'air de chatons inoffensifs. Les Canadiens. Tu vois Sam quelque part? Non. Bon, c'est déjà ça. Merde, les pauvres. Faut fouiller chaque bâtiment. Sale boulot de Morello. Attention, fusil.
la montre. Faut aller le chercher. Vous, vous restez là et vous surveillez la zone. Plombez tout ce qui approche à moins de 100 mètres. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont eu. Ah putain, je pisse le sang. Tu peux marcher? Non. Non, je crois pas. Ok. C'est bon, ça va aller. Je vais chercher le camion. On va t'amener chez le docteur. Tu vas t'en sortir, Sam. Tommy, reste avec lui. Je reviens tout de suite. Ce sera pas long. Ok. Ça va aller, Sam, t'inquiète pas. On a connu pire que ça. Ouais. Ça, c'est sûr. Thank you.
merde. Ah, il est où ce putain de camion? Et merde, là les flics. Ils ont eu Tony et Denis ? Ouais. Putain, c'est un vrai massacre. Comment va Sam ? Pas pire que tout à l'heure. Je vais le chercher. Surveille le coin. Viens, mon pote. Rentre chez nous. J'ai besoin d'un tout bim, poli. Ouais, c'est bien ça. Accroche-toi. Je te tiens, je te tiens. Voilà. Ok. Bien. On va s'installer. Poli. Il y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Montre. Je suis juste là, Sam. Il y a des munitions et une mitraillette quelque part à l'arrière. S'ils vont derrière le camion, arrose ces fumiers. Ils doivent pas nous dépasser. Ce machin là-bas est énorme. Merde, où est-ce qu'ils ont trouvé un engin pareil ? Ils ont appelé des renforts. Alors, ça vous plaît, ça ? En ce connard ? Est-ce que tu crois que c'est bon, là ? À ton avis ? Et voilà les mauvaises nouvelles. Il y en a d'autres qui arrivent sur les côtés. Ah, fais chier ! Ils se rapprochent !
Sam, ça va? Fais gaffe, on est dans la merde, Tom! Voilà, c'est ici. Tom, aide Sam à sortir. Je vais réveiller Toubib. Sam, Sam. On a réussi. On est arrivé chez le docteur. Eh ben, je t'en dois encore une. Bonsoir, Doc. Désolé de vous réveiller, mais on a eu un petit accident. On a un blessé avec nous. Bon, amenez-le à l'intérieur. Ok, merci. Je vais rester avec Sam. Tu peux repartir avec le camion. On se voit demain. Non, j'attends ici. Le Doc a déjà assez d'ombre comme ça. Ça sert à rien de rester là tous les deux. Vas-y, Tom. Ça va aller. Ok. Hé. Hey. Tu t'en es bien sorti. Recovery is
I know it's good to relax with W. T'es en retard. Le dîner est froid. Le boulot. Épouse-moi. D'accord. Bonjour, boss. Je suis venu dès que j'ai eu votre message. Assieds-toi, Tom. On a une taupe. Non. Qui ? J'en ai pas dormi de la nuit. Je devenais dingue à essayer de piger. J'ai imaginé que c'était peut-être un de nos gars qui avait pas été payé correctement. Quelqu'un de pas très riche, qui serait prêt à rejoindre Morello pour un nouveau costard. Franck était pas là, alors je suis allé au coffre voir les livres de compte, histoire d'essayer d'y voir plus clair. Et ça donne quoi? Les livres ont disparu. Franck. 50 ans que je le connais. Tout ce que j'ai, je l'ai eu avec Franck. Et tout ce que j'ai gagné, chaque centime qu'on a distribué, tout est noir sur blanc dans les livres. Si Franck les donne aux fédéraux, c'est terminé. Franck ne respecte qu'une seule personne dans toute la ville, et c'est vous. Il doit certainement y avoir un malentendu. J'ai essayé de le joindre. Je suis passé chez lui. Il est parti. Sa femme et son môme aussi. Je sais pas. Je suis sûr qu'il a ses raisons. Peut-être que... qu'il m'en veut encore pour la chienne. Celle que vous vouliez noyer? Ouais. Celle que j'ai butée parce qu'il m'a empêché de la noyer. J'étais crétin quand j'étais mou. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on récupère ces livres. Va secouer nos indiques. Vois qui c'est quoi. Quand tu retrouveras Franck, tu cherches les livres. Et s'il les a pas avec lui, tu te débrouilles pour qu'il te dise où ils sont. Et après ça, tu fais ce qui doit être fait. Vincenzo t'attend avec une nouvelle caisse.
belle journée, pas vrai? Faut qu'on soit discret sur ce coup. Commence avec Biff, mais ne lâche rien. J'ai une nouvelle caisse pour toi. Et un petit quelque chose en plus, si tu veux. Quand Frank verra le Lupara, il saura. C'est un souvenir. And now for the latest news. Tommy, quoi de neuf, mon pote? T'as entendu des trucs dernièrement? Qui pourraient intéresser le Don? Ça dépend. À combien t'estimes ça? 20 billets. Moi, je dis 40. Vas-y, accouche. Le FBI est ici. Ils ont eu des infos par Morello, mais je sais pas quoi. Comment tu sais ça? Little Tony a raccompagné un type depuis le Black Cat parce qu'il était trop bourré. Un bavard. C'est lui qu'il faut voir. D'accord. Merci. C'est toujours un plaisir, Tom. Bien, Tom. Non, pas vraiment. Tu m'expliques l'histoire avec le type que t'as ramené chez lui et qui a parlé des fédéraux? Il est venu boire un verre qu'il a transformé en divers. C'est un gros bras qui surveille une planque pour les fédés. Où ça? Au Kill, à l'angle de Pine. Il m'a filé 10 dollars pour le ramener là-bas et pour que je la ferme. Il a bavé que le conseiller Guilotti avait négocié un accord entre Morello et le FBI. Ils sont prêts à passer à l'action. Pourquoi tu nous as rien dit? Tom, je l'ai fait. Je suis allé voir directement Frank. Il l'a pas dit au Don? Non, non, il a rien dit. Tom, qu'est-ce qui se passe?
to the coverage of Game 7 of the Gold Series. And by the looks of it, ladies and gentlemen, we'll be underway any minute now. The crowd here in the Armory are restless. You can almost taste the tension as we approach this, the deciding game between these two famous rivals. More than a little bad blood between them, and more than a couple of nasty flare-ups in recent years. C'est là, on dirait. Montre-moi tes livres de contes, Frank. And we return now to... J'imagine qu'il va y avoir une réunion.
l'avion à prendre, Frank? J'ai l'impression qu'ils vont lui faire quitter le pays. C'est chier, c'est pas bon. Il m'a balancé son insigne sous le nez et m'a poussé dehors. Monsieur l'agent, ça va durer longtemps? Témoin, je crois. Quelqu'un va être exfiltré. Mais le FBI a rendez-vous avec qui? Les gens de l'avion ont vraiment... J'ai un avion à prendre, moi. Faut attendre que le prisonnier ait décollé, j'imagine. C'est bizarre. Beaucoup de gars ont pas l'air de flics, je trouve. Thank you.
Tom. Franck. Le Don m'envoie. Oui, je m'en suis douté. Je suis désolé que ce soit toi qui t'y colle. T'as un message à lui transmettre? J'aurais préféré que ça se passe autrement, mais Morello m'a mis le grappin dessus. Tout va bien. Vous pouvez venir. Morello m'a fait une offre toute simple. Des livres de comptes en échange de nos voix. Et un aller simple loin de cette ville. Tu lui as déjà donné les livres? Je ne suis pas crétin, Tom. Ils sont en sécurité. Morello attendait que je lui donne ça. C'est la clé d'un coffre de la grande Imperial Bank en ville. Je dis à Morello que je lui confierais quand l'avion serait paré au décollage. Ses hommes devaient venir la chercher avant notre départ. Je me suis occupé d'eux. Dis-leur de monter dans l'avion. Allez, March, Alice, montez à bord. Franck, tu viens avec nous. Pas tout de suite, chérie. Allez vous installer. Tommy et moi, on a des choses importantes à se dire. Mais Franck... Monte dans l'avion, March. Pour Alice. Pour moi. Monte dans cet avion, je t'en prie. T'as déjà été payé? Ouais. Bah, je te paie encore. Emmène ces dames n'importe où elles voudront. Bien, monsieur. Merci, Tom. Merde, Franck. Pourquoi t'as pas demandé notre aide? Je crois que je voulais partir, d'une manière ou d'une autre. Je suis fatigué, Tommy. Fatigué de mentir à ma femme. Fatigué de toujours vérifier qu'il n'y a pas de bombe sous ma voiture. Fatigué d'attendre que le Don m'en colle une entre les deux yeux. Monsieur. Où se trouvent les coffres, s'il vous plaît? À
À l'étage du dessous, vous voyez avec mes collègues. Merci. Aujourd'hui. Tout va comme tu veux? Je cherche à accéder au coffre de Frank Coletti. Ah oui, monsieur Angelo? Ouais. Monsieur Coletti a dit que vous risquiez de passer pour accéder au coffre. Suivez-moi, je vous en prie. J'ai récupéré les livres de compte et je suis parti discrètement. Salieri ne m'a jamais posé de questions. D'ailleurs, à part pour les funérailles, je n'ai plus jamais entendu parler de Franck. Tu rends méga nerveux, Marco. Sergio et moi sommes venus pour présenter nos respects, c'est tout. Je connaissais Franck depuis longtemps. Presque autant que toi. C'était un homme bon, intelligent, loyal. Envers sa femme et sa fille. Par-dessus tout. Il y a une certaine beauté dans ce genre de loyauté, Ennio. Peut-être. Mais devant moi, je vois une pierre tombale avec le nom de la petite gravé dessus. Regarde un peu ces maisons. Un grand terrain, des petites clôtures blanches. C'est ça le rêve américain, pas vrai, Tommy? Sans doute. Tu crois pas? Non, monsieur. Je préfère être là où les choses se passent. Te laisse pas berner par les fleurs et les jolies maisons. Il y a plus de criminels par ici que dans toute la ville. C'est pour ça qu'on est dans ce quartier? Si on veut. Morello arrose un juge corrompu, du nom de Watkins. En fait, c'est un vieil ami de Guillotti. Le conseiller municipal? Lui-même. Morello a laissé entendre qu'on aurait un rapport avec la mort du gamin de Guillotti. Et maintenant, Watkins est sur le sentier de la guerre, histoire de venger son pote. Le truc, c'est qu'il cherche à retrouver des témoins. Vous avez des noms? Ouais. Mais Polly et Sam vont s'occuper d'eux. Toi, je veux que tu fasses autre chose pour moi. On doit récupérer tout ce que Watkins a sur nous. Où est-ce qu'on cherche? Dans le coffre de sa villa. Je sais pas percer les coffres. T'en fais pas pour ça. On t'emmène rencontrer Salvatore. Il vient de débarquer du pays, mais il sait comment faire chanter un coffre. Amène-le à la villa, trouve le coffre, il se charge du reste. Je dois m'attendre à un comité d'accueil? Tu devrais t'en sortir. Watkins sera au spectacle, donc la baraque devra être vide, à part un type ou deux. Son bureau est au rez-de-chaussée. Une autre source dit que le coffre est dans le mur. Une fois que Salvatore aura ouvert, tu prends tous les documents et vous filez. C'est lui, boss? Ouais, c'est notre... Salvatore, tutto bene? Si, grazie. Don Salieri. Content de te voir. Tu sais ce que tu dois faire. Je compte sur toi. Si, ho capito, si. Tommy, si tu tombes sur Watkins, le bute pas. Ça risquerait d'attirer les flics. Pas de soucis, boss.
Buona fortuna, ragazzi. Tommy. Tommy Angelo. Piacere di... di conoscerti. Meraviglioso. Per favore.